77, les campagnes du 77. Aïe, t'as vu, t'as été trop un bonos parce que t'as cliqué sur la vidéo parce qu'il y a marqué Dayami ferme ses portes. Pouf, oh, t'es trop un nul, t'as vu. Parce que moi j'ai trop le soin, tu vois, j'ai le gang de test. Hein, t'as vu, hein, tu peux pas test. Bon, ok, je vous avouerai que j'ai pas trouvé plus original pour fêter mon retour après 2 semaines d'absence. Voilà, désolé. Jingle! Hola tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops en prévision sur le Black Ops 2, c'est pour ça que je me devais quand même de faire un super bon gameplay. Écoutez, c'est un super bon gameplay d'ailleurs, oui je le souligne, enfin super bon gameplay pour moi. Je suis en train de jouer avec la Spectre viseur laser, enfin le viseur croix que j'ai modifié en bleu parce que je sais pas, le bleu ça me fait penser à des schtroumpfs et les schtroumpfs c'est genre trop puissant quoi en fait. Et je joue avec les atouts marathon, poids plume et tour de passe-passe, en gros une classe bien nerveuse quoi, et vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai fait une super bonne partie, un véritable carnage quoi, j'ai eu la force schtroumpf dans mes mains. Et bon, avant de commencer toute chose, je tiens quand même à m'excuser quand même pour le titre qui a été assez trompeur, je me devais de vous le faire quand même une fois, c'est... enfin voilà, vraiment navré. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et je me dois quand même de vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord j'aimerais faire deux petits coucous, deux petits clins d'œil par rapport à mes abonnés. Le premier étant un remerciement à vous tous en règle générale, parce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui 580, 579, ça balance un petit peu, c'est comme la bourse, à regarder mes vidéos, et sachez que je suis nemmement heureux du verbe n'aimer, de l'origine du mot nem, qui est une friture que l'on mange communément chez les Asiatiques, dont seuls les Chinois en connaissent les secrets, enfin bon, bref. Et sachez que je suis nemmement heureux de ma communauté, dans le sens où bah, vous aimez mon travail, vous laissez des commentaires sur mes vidéos, vous envoyez plein de messages d'encouragement sur ma boîte privée YouTube, dans ma boîte de réception privée YouTube, et vous likez même mes vidéos quoi. Et d'ailleurs par rapport aux likes, pour ainsi dire sur quasiment toutes mes vidéos, quand je regarde le gestionnaire, je n'ai pas, mais ou alors très très peu de dislikes qui se comptent sur les doigts de la main quoi. Et bon après la main gauche ou la main droite, c'est vous qui choisissez hein. Pour ma part, c'est la droite. Enfin bon, c'est pas grave, ce message est passé tout discrètement. Et je tenais aussi à remercier la vingtaine de personnes qui ont été présentes lors de ma soirée spéciale 500 abonnés. Bon, elle a pas duré aussi longtemps que prévu, mais sachez quand même qu'on s'était vachement fendu la poire, mon cher Gérard. Comme le diraient certains Français. Non, franchement, c'était vachement bien amusé. Ça s'est passé sur Modern Warfare 3. Et bon, je pense que les gens s'en souviendront pas mal de cette partie, tellement j'ai été sadique dans les réglages. Mais enfin, bon, ce qui reste dans le lobby spécial 500 abonnés, Nagami, restera dans le lobby spécial 500 abonnés. Je suis désolé, j'ai pas vraiment pu enregistrer parce que... j'y ai tout simplement pas pensé, j'étais tellement à fond là-dedans, c'était tellement bien amusé que pour le coup j'y ai pas pensé, hein, vraiment désolé. Je penserai peut-être à faire une vidéo spéciale avec mes abonnés sur quelconque jeu, pour quelconque événement, on verra bien. En tout cas, sachez que ce premier vrai échange, entre guillemets, a pour moi été vraiment bénéfique dans le sens où j'ai été très heureux d'être aussi bien accueilli par mes abonnés quoi. Et c'est juste incroyable quoi. Je m'y imaginais pas à être attendu aussi bien avec les bras autant ouverts. Voilà. Bon, écoutez, j'ai remercié pour la partie remerciement, comme le dirait dans un certain épisode Calvin à sa femme dans ma famille d'abord. Virilise-toi, Coco. Non, normalement il dit pas Coco, il dit le nom de sa femme, mais je m'en souviens plus de sa femme. Bref, anyways, maintenant on attaque dans le vif du sujet qui est le pourquoi je ne fais pas de vidéo. Alors, plusieurs facteurs rentrent là-dedans. Premièrement, vous devez savoir que je fais de la téléprospection dans une boîte qui vend des fenêtres et des volets. Et croyez-le ou non, être assis sur une maudite fucking putain de chaise à faire fonctionner 76 muscles différents de votre corps. Oui, parce que je vous l'apprends aujourd'hui, il faut faire marcher 76 muscles de son corps pour faire un commentary, pour parler.
même pour gueuler, enfin, si tu gueules en parlant, faut bouger 76 muscles pour parler et faire ça afin de débiter tout le temps le même discours, tout le temps le même speech pendant plus de 400 fois par jour, et ben mine de rien, franchement, du lundi au samedi en plus, hein, mine de rien, franchement, c'est vachement épuisant. Et les seuls moments où je peux me détendre, c'est les week-ends, et je préfère mettre un point d'honneur à ma copine, mes amis et ma famille qu'à YouTube. Non loin de moi l'idée de vous abandonner, mais alors là, mais pas du tout. C'est juste que je sacrifie 2 mois de vacances, j'ai déjà sacrifié 2 mois de vacances, et ça a été quand même un assez coup dur, si on veut, pour moi. En trimant comme un canard laqué, vous savez bien que mon secret pour faire des vidéos, et c'est d'avoir la pêche, la forme, la patate, le truc de ouf, quoi. Et cette pêche là dans les vidéos, quand j'ai tenté d'en faire durant la semaine, elle a pas toujours été présente, et c'est pourquoi je préfère privilégier la qualité que la quantité. Attention, cette vidéo est certifiée qualité par le label Nagami Games, trollolol. Non, mais enfin, je troll un petit peu le truc, j'exagère, mais voilà, quoi. Je préfère vous proposer du contenu où je prends du plaisir, parce que c'est comme ça, apparemment, que vous avez l'air d'aimer mes vidéos, ou que de faire dans le qualitatif que dans le quantitatif, quoi. Je préfère vous fournir 5 boîtes de tablettes de chocolat que j'aurais fait moi-même main avec amour que 100 boîtes de chocolat où j'aurais juste fait diluer de l'eau, de la poudre et que j'aurais mis ça au congélateur et que je vous aurais donné. Enfin bon, la métaphore est très mal trouvée, mais bon, j'espère que vous aurez compris où est-ce que je voulais en venir. Maintenant, on attaque dans le côté... maintenant que j'ai fini le côté moral, le côté vie privée, le côté énergie, maintenant il y a autre chose. Qui fait que je ne produis pas forcément de vidéos qui concernent directement la chaîne, c'est ma chaîne, directement. Je m'explique. J'avais dit dans une de mes vidéos qui s'appelle « Pour mes abonnés chéris », un truc comme ça, que j'avais pas vraiment de projet sur lequel m'accrocher, et puis ce qui fait que quand je fais des vidéos, je les fais parfois sans réel but, quoi, entre guillemets, et puis je me dis que voilà, en fait, je devrais vraiment fermer la chaîne, et honnêtement, le message du début, ça a été un petit peu une prélude. Enfin bon, voilà, c'est pour dire que c'était vraiment pas une blague, quoi. J'en suis vraiment désolé. Nagami Games ferme vraiment ses portes aujourd'hui. C'est moi où je sens ton cœur battre et tes yeux se dilater, ta pupille qui croussit, qui rapetissit. Mais non, je déconne! J'ai eu le temps de réfléchir pendant assez longtemps pour vous proposer plein de gameplay. Encore faut-il que je trouve le temps, étant donné que la rentrée approche à grands pas et que je ne pourrai pas forcément enregistrer régulièrement des vidéos. Mais sachez que pendant les week-ends, je prévoirai, je sais pas si c'est français, mais enfin bon, des vidéos d'avance, comme ça je pourrais vous proposer directement dans la semaine. Voilà. Écoutez, le gameplay touche bientôt à sa fin, il me semble, étant donné que je n'ai pas le gameplay sous les yeux et que je suis à peu près à 7 minutes 30 à 40 d'enregistrement. Tout ce que je voulais savoir, si dans les commentaires, non, je déconne, c'est juste que je bug et que j'arrive pas à dire ce que je voulais dire. Juste savoir ce que vous pensez, pourquoi vous aimez ma chaîne, pourquoi vous regardez mes vidéos. Je vous dis à la prochaine les gens, et je vous laisse avec une dernière question. Est-ce que vous attendez Black Ops 2? Oui, non, pourquoi pas? Et puis, voilà. Il doit rester une trentaine de secondes de gameplay, qu'est-ce que je peux vous dire? Réfléchissons. Aujourd'hui, j'ai mangé un M. Et franchement, je l'ai trouvé tellement bon. Mais il y a un truc qui me perturbe quand même. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, vous avez juste à demander à un chinois pourquoi. Et vous comprendrez pourquoi il sourit. Frédéric Chaud! Allez, salut les gens, à la prochaine! Mangez de même! Et toi, tu vas prendre un coup de flingue dans tes fesses. Bim! Merde, ma couverture!